Allez, on est reparti. Ça aille devant, c'est peut-être un peu souple parfois, ça tape pas mal. C'est bizarre parce que en fait, voilà, je sais pas si vous voyez là, ça, je vais le remettre au ralenti. Ça vient et ça te tape dans les poignets. C'est hyper désagréable. Et ça tape dans les poignets, ça fait vraiment pas du bien. C'est un peu bizarre. Pourtant c'est pas des gros trucs nets, c'est vraiment des tout petits trucs. Mais quand même ça fait des espèces d'à-coups. Faudrait que on le refasse. Et on sent vraiment au lieu qu'en fait ça absorbe doucement, on a l'impression qu'il y a un point dur et bam que ça tape. Oh putain, je me suis attrapé le pied. On dirait pas, mais ça monte, hein, le chemin est déjà 20-30 mètres en dessous. Ça monte, mine de rien, regardez. Sans traction control. Plutôt pas mal. Pour le technique, c'est vrai que c'est pas mal. Ok. Là oui. Wouh. Oh, moi j'avais pas. Je sais pas. Bon allez, trop tard. Alors là, on va attaquer le mur, celui-là. Il y a eu quelques élites qui se sont arrêtées pour le regarder, je peux vous le dire. Alors qu'au final, ils passent comme papa dans maman. C'est juste une histoire de confiance. Hop, et voilà, moi je vous le dis, ça passe comme il faut, l'engin, là, putain de merde. Une moto qui est plutôt impressionnante. Ouais, putain. Pour faire ça, là, c'est vraiment une arme. Vraiment très très bien.
Par contre, c'est vraiment pénible que cette selle n'accroche. Mais quand je dis elle accroche rien, la selle, c'est qu'elle accroche rien. Si je serre pas comme un marteau, je finis hyper loin, le cul. Je finis sur le garde-boue, vraiment. Oh putain, non! Tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai pas l'utilité d'avoir la puissance d'un 300. Je sais qu'avec le 2,5 je monte partout où je veux dans le truc que, dans ce que je fais. Donc j'ai pas besoin de me dire que j'ai besoin d'un 300 ou je ne sais trop quoi. Je vois celle-ci là-haut, j'ai déjà fait avec la 4,5. Je me demande si on l'atteindrait pas avec la 2,5. De toute façon ça passe, hein, c'est une question d'élan. Voilà, aïe, oh putain. Et ben c'était pas ouvert avant en haut. Celle-là, je peux vous dire qu'elle est vraiment, quand je dis elle est impressionnante. Il y a des vidéos des élites qui s'arrêtent là-bas. Et des nationaux qui s'arrêtent là-bas, qui la regardent et qui hésitent à prendre le. Il y avait un déviant. Elle est hyper impressionnante. C'est un mur, regardez. Faut avoir les couilles, il n'y a rien de difficile. C'est une question de couilles. Hop là, on se sent tomber et. Wouhou! C'est vraiment une question de cacahuète parce que même Guigui l'a fait en 85, les gars. En 85, il l'a fait. Nickel. C'est bon, ça. Ah. Et lui, il rigole là, c'est drôle pour lui. Je t'ai dit, c'est un ouf. Tranquillou le mec, il est sans pression.